Salut à Cana, hello hello. Attendez, il faut que je mette à jour mon goal. Mon goal qui a été dégommé au dernier stream de 1500 followers. On passe à 2000 nouveaux goals. Alors, comment ça va les gens? Est-ce que vous passez une bonne semaine pour le moment? Nous sommes mardi, début de semaine. Rentrée pour la plupart. Pour moi, c'est ma rentrée. Hein. J'ai commencé hier à retravailler. C'est cool quoi. Enfin, j'ai jamais vraiment arrêté de travailler durant les vacances. C'est juste que je travaille sur autre chose maintenant, un truc qui me rapporte en salaire, on va dire. Et salut, Tom la bricole, comment tu vas? Moi, je vais bien. Alors, attendez, achievements. Le gros dilemme GraphCard est vraiment qu'il lève en même temps. Bah, initialement, j'étais censé y lancer il y a 20 minutes. J'ai eu un souci technique. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, là, voilà, là, le chat il est coupé là. Il y a Will qui est dessus. Donc, officiellement, j'ai lancé avant lui, donc tu devrais me regarder moi. Non, je plaisante. Regarde qui tu veux. Regarde les deux en même temps. Par contre, je t'invite, peu importe qui tu regardes, mais à leur cacher l'autre. C'est-à-dire que tu mets le volume au minimum. Tu ne mutes pas le tab. Tu le mets au minimum. Comme ça, ça comptera quand même comme un viewer pour la personne et ça peut l'aider pour tout ce qui est, tout ce qui est statistique de Twitch. Tout simplement afin de qu'on puisse atteindre le. Comment ça s'appelle, le partenaire plus facilement. Voilà. Parce que si vous savez pas, quand vous. Et voilà, nouveau goal, wouhou! Quand vous regardez en lurk une chaîne, mais vous la mutez, vous ne comptez pas comme un viewer d'après Twitch. Voilà, le goal qui est passé à 2000. Et du coup, si vous voulez lurker chez les gens, c'est toujours très gentil de lurker chez les petits streamers comme par exemple moi ou autre. Parce que ça permet d'augmenter les stats pour. Et le monde attire le monde aussi, bien évidemment. Donc lurker, c'est toujours cool, quoi. Ouais, je mets tout le temps les Twitch, tout Twitch en background. Ouais, ouais, bah pareil, moi, quand je travaille, souvent, je mets Twitch en background avec le volume au minimum. Histoire de... Mais ouais, ok, alors ce soir, au planning, les gens, j'ai mon petit carnet, là, mon petit carnet où je note... Salut Fabrice. Où je note un peu tout quoi, parce que je suis quelqu'un qui est très, j'aime bien le papier, j'aime bien écrire avec un stylo, j'aime bien le papier, avoir plein de feuilles et tout ça, ça j'aime beaucoup. Et du coup j'ai une petite liste de choses qu'on va faire ce soir. On va avancer bien évidemment sur Strilly. Si vous ne connaissez pas ce que c'est Strilly, vous pouvez faire la commande qui est écrite dans le titre du stream là-bas. Hein. Et si vous êtes sur YouTube, ben vous regardez si quelqu'un l'a fait, ça sera affiché là-haut, si c'est pas pété. Ce qu'on va faire, ce que c'est que Strilly. Mais du coup, ce soir, une petite feature assez rigolote. Salut Ramien, comment tu vas? Enfin, une petite feature rigolote. Une feature que j'ai imaginée cet après-midi. En gros, pour le moment, si vous modifiez quelque chose dans votre overlay, par exemple le chat ici, si je modifie le nombre de viewers qui est là, ou les alertes qui sont là-bas au fond, eh ben, actuellement, il faut que moi-même, en tant que streamer, j'aille dans mon OBS et que je fasse un refresh de la... de la source, ok, de la source qui est celle-là, ou celle-là, ou celle-là, bah, au fond. Et c'est pas problématique de faire ça, mais ça fait une étape en plus, quoi. Je dois aller dessus, faire refresh, ou l'enlever, la remettre, etc., etc. Et du coup, bah là, on va faire un truc très simple, c'est qu'une fois que vous la modifiez, elle va se mettre à jour toute seule, en fait, si vous avez OBS de lancer. Donc c'est plutôt cool comme micro-features. Autre chose à faire, je vais faire le Endpoint API pour récupérer les patchs de sub des gens. Par exemple, j'ai plusieurs subs. Là, j'ai Benoît et Altix, par exemple, qui sont subs dans mon chat. Et comme vous pouvez voir, là, Altix, son message, il n'est pas tout simplement... c'est pas écrit qu'il est sub. Et ça, on peut le récupérer, du coup, et l'afficher avec les patchs de sub. Donc ça va être cool à faire. Et fixer un bug que j'ai rajouté en dernier... dans l'API, dans la dernière mise à jour de l'API, qui fait que l'embed de l'event list ne fonctionne plus. Ça, on va corriger quoi. J'avais le même dilemme. Je vais replay Graph After. Ouais, exactement. Graph, vous savez comment ça va se passer chez GraphiCard. Il va s'énerver parce qu'il fait du node. Et du coup, il va rager contre la technologie. Et voilà quoi. Non, je plaisante. Regardez qui vous avez envie de regarder quoi. Regardez qui vous avez envie de regarder, faites-vous plaisir.
En tout cas, nous, ce soir, on fait du Strilly. Donc, comme j'ai dit, trois choses à faire ce soir. Alors, c'est pas dit qu'on fasse les trois, hein, parce que c'est un stream qui va être assez court. J'ai prévu de raid d'ici 1h10, 1h20. Willen, qui va streamer aussi à 9h ce soir, normalement. Willen, qui est un dev qui fait beaucoup de CSS. Actuellement, il est sur un projet qui est fort intéressant. C'est un projet, tout simplement, pour les RH. La plupart des gens qui font des projets sur Twitch, c'est des projets concernant Twitch, on va dire. Lui, il fait un projet très intéressant concernant les RH avec les questions à poser aux participants quand ils engagent quelqu'un, plutôt que de ne pas savoir quoi dire ou dire de la pure merde, et ben ça sera fourni par son application, donc c'est plutôt intéressant quoi. J'ai sub ici, je vais rester pour l'amortir. C'est très très bien Bernard, d'ailleurs à tous les non-sub, je vous invite à sub, ça peut aider la chaîne, ça peut m'aider à passer partenaire. En fait, rester là simplement, ça m'aidera à passer partenaire. Je crois pas que le nombre de subs soit important, je crois que c'est le nombre d'heures streamées, de viewers et de jours streamés. Je crois que c'est un truc comme ça sur les 30 derniers jours. Je crois pas que le nombre de subs importe. Ou peut-être qu'il importe, mais pas écrit, quoi. Peut-être que c'est important, mais c'est pas précisé dans les conditions. C'est possible. Enfin bref, on a prévu tout ça ce soir. Donc je répète, trois choses. Première chose, on fixe l'embed des events et on déploie en prod directement parce que c'est un bug chiant. Deuxième chose, l'embed des events, pour ceux qui savent pas ce que c'est ce schmilblick là qui est tout noir. Ok ? Qui devrait pas être tout noir. Très simple à corriger. Deuxième chose, on fait l'auto-update des embeds, donc ça par exemple, etc. quand on la modifie côté back. Troisième chose, on get les badges de sub pour les afficher dans le chat. Et si on a le temps, vous inquiétez pas, j'ai une petite liste ici de plein de trucs qui seront qui sont cool à être faits si on a encore le temps et que c'est pas trop tard. Ok ? Pour ceux qui étaient là la dernière fois, on a fait quoi ? La dernière fois, on a travaillé sur les utilisateurs qui ont révoqué leur accès à Strilly. On a travaillé sur l'app token qui était stocké en mémoire. On a commencé à faire un peu de testing. Et je crois que c'était à peu près tout. Ok ? Là, si vous regardez, j'ai pas mal modifié. Alors attendez, on me dit que c'est bon, les embeds. Et effectivement, ça l'est. Donc, on va les refresh et les réafficher. Au revoir, le chat. Bonjour, le chat. Voilà. Non, là, c'est fixé si vous parlez dans le chat. Non, le message devrait prendre toute la distance là, hein, de là à là-haut. Quoi. Voilà, j'ai pas mal. Bonjour. Exactement. Parfait. Ça fonctionne. Merci. Au top. Stylé. Bonjour. Ok, donc j'ai pas mal refactorisé le pack. On va pouvoir regarder ça ensemble pendant qu'on travaille sur les autres features. Et je vais bien évidemment zoomer pour les gens qui ont besoin de zoom. Alors là, c'était pas 21 qu'il fallait mettre, Romain. Là, c'est 19 et 21, c'est dans l'éditeur ici. Hop là. Paf, paf. Voilà, ça devrait être assez zoomé. Comme ça, la vie est belle. Alors, premier problème va être très vite corrigé, je vais même pas faire ça sur une branche. Et on va instantanément deploy, c'est les events ici. En gros, les events, ça. Non, il est pas là le endpoint, il est dans embeds. Il est où cet endpoint ? En gros, j'ai mis un endpoint. En gros, pour vous expliquer, si je vais sur strilly.com. Les gens qui ont besoin de zoom égale lore. Exactement. Non, mais j'imagine toujours qu'il y a des gens sur le téléphone. Ah, oh, ça marche. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah oui, ça. Le add to OBS ici, voilà. Il fonctionne quand on est connecté. Mais si on n'est plus connecté, j'ai pété l'embed et du coup, ça ne fonctionne plus. Si on va voir l'erreur que ça nous rend ici, avec un petit refresh, on voit bien qu'on a une 400 ans ici. Ok, 400 avec comme réponse, ben vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette route. Voilà, ce qui est complètement faux, ça ne devrait pas arriver. Alors la requête ici, c'est sur slash events. Alors allez voir dans mon root file où ça tape, hein, tout simplement. Root file et le slash events. Et effectivement ici, et il ne devrait pas être là-dedans en fait. Alors je vais voir juste le code ici. Slash events, je prends off user related events query. Comment on a fait ça? Comment ça a fonctionné jusqu'à maintenant? Ah non, c'est normal, on doit pouvoir s'authentifier. Non, ça c'est normal. Non, le problème, il est côté front.
Les côtés front, c'est normal, on doit s'authentifier pour afficher les trucs. Le problème, les côtés front. Alors, côté front, attendez. Merde, j'étais en plein travail sur autre chose. Écoutez, ça, on va rollback. Tac, ça, on va shelve. Shelve. Allez, on shelve tout. Ah merde. Cancel, cancel. On va shelve tout, s'il vous plaît. Je crois que c'était déjà bon. Hop. Shelve changes, optimize. Voilà, shelve. Donc, côté wheel, exactement, ouais. Côté wheel. Non, non, on travaille les deux sur le front. L'erreur vient peut-être de moi, c'est possible. Le problème, en fait, c'est que ben, normalement, c'est censé afficher, si on n'est pas authentifié, le formulaire d'authentification. Or, là, rien ne s'affiche. Donc, le problème, il est à ce niveau-là. Et salut, Kazu. Kuzu, pardon, comment tu vas? Hello, hello, bienvenue. Alors, attendez. Donc, dans la page ici, qu'on appelle Events, concrètement, cette page devrait être dans les pages protégées. Et elle n'est peut-être plus dans les pages protégées. Donc là, on map sur les différentes routes, ok, ici, dans les routes qui sont définies là. Et concrètement, Events, ici, c'est pas une route qui est non protégée. Ici, il faut que je la protège. Ici, il faut que ça passe à true. Voilà. Et là, le problème est corrigé. Normalement. Problème corrigé, plus de soucis, logiquement. Je vais pas pouvoir le tester, donc je vais push. Si Will, tu es toujours là, je compte sur toi pour faire un déploiement. Et la vie est belle. La vie est belle, quoi. Je vais juste switcher sur staging. Check out. Voilà. Fix, protect. Embed. Je sais pas si ça dit events. Embed. Route. Ça paraît pas mal. Là, je vais mettre routing. Commit and push. Voilà, et ça devrait corriger le souci. Hein. Voilà, finalement, le problème n'était pas du tout sur le back. Ça va super, toi? Bah écoute, ça va bien. Ça va plutôt bueno, hein, début de semaine, reprise du travail, mais tout va bien. Donc, plutôt bien. Putain, Clinton Hideo, ouais, ça va encore. C'est, j'aime bien le design. C'est sympa, c'est sympa. Alors, cool. Bon, première chose de faite, ça c'est fixe. Donc, on va prendre un stylo, on va prendre une règle et on va le biffer tout simplement. Biffer, vous ne connaissez pas en France, hein, je pense, sur notre liste. Ok, donc ça c'est fait, cool. Maintenant, ça faisait partie des trois trucs qu'on devait faire. Ok, donc premier truc, achevé en, allez, 5 minutes, à tout péter, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va travailler principalement, ça va être sur le... ça va être sur le fait qu'on va mettre à jour automatiquement les embeds s'ils ont été modifiés. Est-ce que vous avez une idée de comment on va faire cette chose? Donc en gros, je répète le concept. Si je lance le code en local, ce sera plus simple pour vous montrer. Pam 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 pam. Donc le concept, en gros, c'est que... Allez, ça charge. Ok, le principe ici, c'est que par exemple, je suis sur le chat, imaginons que ça soit ce chat-là, je fais éditer ici, je suis en développeur mode ou pas, attendez, je vais apprendre qu'il ne l'est pas, je décide de modifier, je clique sur save, et en fait, ça va automatiquement mettre à jour le chat qui est ici, sans que j'aie besoin moi-même d'aller le modifier, ok? Alors, par exemple, pour donner un exemple, hein, je vais mettre en embed en plus ici, que je vais appeler dans browser, je vais appeler chat test. Tac, je l'ajoute tel quel.
Et il est en haut à gauche, voilà. Là, il est au plein milieu de mon écran, donc si vous parlez, il va popper au plein milieu de mon écran. Et le concept maintenant, c'est que ce chat-là, le moment où je décide de le modifier, eh ben, il va se auto-refresh et je n'ai pas moi-même à aller dans la source et appuyer sur refresh. Par exemple, imaginons que je suis en train de... Bah super, ça marche très très bien, en tout cas, ça... C'est... Ah oui, non, mais ça ne marche pas parce que je n'ai pas lancé le code de l'embed, attendez. Il faut que je lance l'autre code. Et salut à toi Clément. Git pull, on va le mettre à jour. Voilà. On le relance. Ok. Du coup, je refresh, paf, voilà, là ça devrait marcher. Là, si j'écris hello dans mon chat, hello, voilà, j'ai mon hello qui pop au milieu de mon écran là, ok, ça là, ce qui bouge là. Et maintenant, le concept c'est que si là par exemple je mets le container en activant la Twitch Color et que je clique sur save, mon but c'est que je ne doive pas aller dans mon OBS, cliquer sur refresh et après là il y a la modification qui est faite. Voilà, là on peut voir que c'est fait. Ok, mon concept c'est justement d'éviter que le développeur ou le streamer doive faire ça. Donc ben, ce que je vais faire tout simplement c'est sur le côté l'embed, donc ici dans ce repository là, on va écouter tout simplement s'il y a eu des changements et quand il y a eu un changement, on refresh la page et ça devrait logiquement fonctionner. Et on va voir tout à fait ça, si ça fonctionne ou pas. Ok. Donc ici on a notre use chat embed, etc. Donc ça c'est le composant qui s'occupe de faire les embeds. Et là le but c'est que je vais écouter sur Mercure. Donc là on a une instance de Mercure qui tourne. On écoute notamment sur l'event list embed, sur les labels embeds, etc. pour savoir les infos. Enfin non pas label, juste sur l'event list pour le moment. Et là on utilise le event source, ok, pour écouter dessus. Alors moi ma question ici. C'est... Ah, listen, on envoie... Ok, on envoie dans ici. Ok. Paf, je vais l'ouvrir là. Ok. Donc là, le concept, c'est que je vais aller ici, dans mon chat embed, je vais ouvrir une connexion event source. Ok. Et là, on event receive, moi, je vais écouter que sur un seul event, c'est mettre à jour. Donc je sais ici pertinemment que peu importe ce qui arrive, en tout cas pour le moment, peut-être ça changera par la suite, mais ce que je veux faire moi, c'est un window.reload. Ok, quand je reçois un event, je vais faire un window.reload. Et là, qu'est-ce qu'il me dit ça n'existe pas? C'est pas reload? C'est pas ça? Ça doit être ça. Si vous voulez mon avis, c'est un bug de TypeScript qui ne comprend pas. Ok, peu importe. Et du coup, on va faire un petit use effect pour écouter en fait tout simplement dedans. Hein. C'est ce qu'on a fait ici. Donc là, hop, un petit use effect. Paf, ici des familles. Et on va faire tout simplement cette chose-là. On va écouter du coup sur une event list au chargement du composant. Et pourquoi attendez, il faut que je démarre prettier ici. OnSave, pareil pour ESLint. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas avoir des defaults par projet. Run ESLint automatique, tac, 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 apply. Allô? Ok, donc là, si je remodifie ça. Et la première fois, c'est toujours lent. Pam pam, ok, c'est fait. Alors, Windows Location.reload, c'est peut-être ça. C'est tout à fait ça, merci beaucoup Bernard. Parfait. Et oui, ça pourrait être juste Location. Ok, cool. Et donc là, on écoute. Alors, pourquoi là, il y a trop d'espace? C'est une très très bonne question, ça devrait être comme ça. Là, prêteur, il s'est dit nos pains. Attendez, je vais fermer les fichiers, je vais les rouvrir. Voilà, oh là, merci Lior d'avoir offert tous ces subs. Merci beaucoup Lior. Ah, bienvenue à Nolan, Cresword, Silver qui n'était pas sub, Jay-Z et LTT Bodev. Merci beaucoup. Est-ce qu'il est passé l'event là-bas?
Il est passé le... Peut-être. Merci aussi pour le follow. Merci beaucoup les gens, ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow, à sub, à la chaîne, à faire tout ce que vous voulez, à rester en lurk. Rester en lurk, c'est très important, donc n'hésitez pas. J'ai un petit souci de prêteur et de copilote là, qui ne veut pas. Hein. Mais surtout de prêteur qui m'embête un peu. Alors attendez, prêteur. Unsave, GSX, prêteur package. Ok, il ne sait pas lequel utiliser. On va lui dire, utilise celui-là, Coco. Ouais. Et si là je refais ça. Ok, on est bon cette fois. Ouh. Et B, ça se vend bien les formations Angular. Ah, mais non, mais Lior, il aime toujours régaler. Merci beaucoup, Lior, en tout cas. Donc là, concrètement, on se connecte à une event source, ok, qu'on reçoit en message, peu importe lequel. On va faire un reload et on va se connecter tout simplement à ici un slash embeds slash chat slash l'ID du chat. Ok, l'ID du chat qu'on n'a pas forcément, je suis en train de penser à ça. Donc là, on va se connecter sur le secret. On va se connecter sur le secret. Tac, 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 je vais tout fermer ça, ça aussi. Ça, il faudra qu'on les enlève aussi, ça sera dans une autre PR. Et du coup, là, on a le propre secret, donc on va utiliser le propre secret ici pour se connecter. Et là, je vais appeler ça reload. Ok, donc là on va tout simplement aller écouter sur ce endpoint de Mercure et moi quand je vais faire un push côté API dessus, et ben on va tout simplement faire un reload. Donc là logiquement, qu'est-ce que j'ai cassé? Hop là, je décasse. Si je vais dans mon chat test ici et que je fais déjà un refresh, je devrais avoir le bout de code que je viens d'écrire ici présent. Ok, salut à toi Thermo, bienvenue sur le stream. Maintenant, ici, le concept, c'est que quand je fais un modify, ça aille pousser sur Mercure l'information que j'ai envie de modifier. Donc là, ça se fait sur l'API. On va aller dans HTTP, chat theme, ici. Et c'est dans l'update, ici, au moment qu'on fait l'update, eh ben, on va aller tout simplement pousser la mise à jour à l'utilisateur. Okay, donc là, on aurait deux choix. On va voir quel est le mieux, parce que aussi, ce qui peut être faisable et peut-être même mieux, c'est que là, on récupère un refetch et que là, on appelle refetch. Comme ça, on ne perd pas l'état. Limite, c'est mieux. Comme ça, on récupère juste le thème et on re-rend. Ça peut être pas mal. Hein. Là, on fait un petit void de ça. On va tout de suite essayer. Donc là, je suis dans mon contrôleur. Je vais faire un petit coup de update. Je crée un update. Qu'on va envoyer. Et on va l'envoyer du coup sur ce qu'on a défini plus haut là. Dans mon embed, ça. Paf! Là, je vais juste vérifier, est-ce que c'est un topic? Voilà, je peux l'envoyer comme ça. Paf, paf, parfait. Là, ça va être, être chat.secret. Et là, on est parti. Donc, on va envoyer un petit embed là-dedans. Mes liens se sont réinitialisés ce matin. C'est normal. Ouais, c'est normal depuis plusieurs jours d'ailleurs. Depuis plusieurs jours, on a demandé à tout le monde de refaire ses liens. Parce qu'on a changé de domaine pour tout ce qui est embed. Tout à fait normal, Stan. Ok, donc là normalement c'est fait, la feature a été faite. Concrètement, on va revoir ensemble ce qui se passe. Donc j'ai ici côté front, j'écoute sur un endpoint Mercure. Ok, cet endpoint, je lui dis que quand je reçois un événement, je veux refetch les données du stream. Et côté back, une fois qu'on modifie le chat, on le sauvegarde. Donc là il est sauvegardé, on envoie un update comme quoi il faut refetch l'information. Donc là, maintenant, logiquement, si je décoche ça et que je fais save, si tout s'est bien passé, sur le chat qui est au milieu de l'écran, là, qui vous cache un peu la vue, hein, d'ailleurs, je suis désolé, eh ben, on devrait voir disparaître le background. Et on va voir si ça fonctionne. Hein. Pas du tout. Alors, attendez. Hop, refresh current page. C'est passé en open source ou tu fais partie du projet? Je fais partie du projet. Alors attendez, on va écrire spammer 2-3 trucs dans le chat là, faites-vous plaisir là. Allez, c'est le moment de spammer les emotes là. Ok cool, parfait. Alors on a Thermo qui nous a dit ok cool. J'active le background, je fais save. Dommage, ça ne fonctionne pas. Alors chat, tac, c'est celui-là. Je vais l'embed, comme ça on va débugger ici. En direct. On va débugger en direct. Alors déjà, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ok, rien de spécial, je vais zoomer un peu pour que vous puissiez lire.
Et on va réessayer. Donc je retourne dans mon petit chat. Je décoche ici le Twitch Color. Je fais save. Qu'est-ce qu'il me dit ici? Rien. Ok. Et là, est-ce qu'il me dit que je suis connecté? Il me dit que je suis connecté, mais j'ai une erreur. Alors, très intéressant. Je sais tout à fait ce que c'est. L'erreur est très très simpliste, entre guillemets, c'est que j'ai oublié de dire à mon Mercure, mon localhost était autorisé à écouter sur ce port. Alors on va changer ça. Compose ici, et là il faut juste que je rajoute http://5173 et la vie est réglée. On va faire un petit down-up et le problème est solutionné normalement et ça devrait être bon. C'est l'effet démo, vous inquiétez pas. Hop. Tiret D. Ok, voilà. Alors, on va refresh le chat. Une dernière fois, je vais le refresh ici aussi. Ok, on a toujours un problème ici. Quelle est l'erreur? Course missing. Alors, localhost 5173. Qu'est-ce que j'ai écrit? Localhost 5173, c'est pas HTTPS. Oh là là, Romain. Allez, on down toute l'infra, on la restart. Ok, là, ça devrait être bon. Allez, hop, on reteste, on refresh. Paf, on est connecté au Mercure, aucun souci. Allez, écrivez-moi deux trucs dans le chat, là. Écrivez-moi deux trucs dans le chat, on va voir si ça passe. Envoyer des émotes, envoyer des gentillesses, de la bienveillance, bien évidemment. Papapapam. Je vais le faire moi-même. Ah, hello. Ok, nous avons un hello de Altix en test de Fabrice. Donc là, use Twitch Color. Ok, on les a aussi ici en bas à droite. Vous ne voyez pas très bien, c'est caché derrière le chat. Je clique sur save. Paf! Et là, on a pu voir que le thème de Altix a popé. Et merci Max pour le follow, merci beaucoup. Mais que Altix. Genre les autres, ils n'ont pas le droit. Merci Volko pour le bienvenue, merci. Ça marche, ouais, ça marche pour toi, pas pour les autres. Ceci n'a aucun sens. Alors, attendez, on n'est pas loin... On n'est pas loin du tout. Je crois que Will n'a pas release le front. Comme demandé. Attendez. Je vais le faire moi-même. Non, ça, je vais juste regarder les différents commits qu'il y a eu. Ok. Je vais faire une release. Attendez, je vais juste faire une release du front. Alors, tac, git, petit coup de rebase, un petit git restore. Ok, comme ça va fixer le bug chez moi. Parfait. Ok, alors à moitié, ouais, ça fonctionne à moitié. On va tout de suite tester. Si je retourne ici, je vais dans mon chat. Ok, ce chat là, je vais edit. Je vais dans container, j'enlève le background color, je fais save, paf, ça disparaît. Je le remets, je save, paf, ça le met, mais que sur Altix. Mais c'est dingue. Pourquoi ça fait ça? Ceci n'a aucun sens. Alors, attendez. Ça, ceci n'a aucun sens. Pourquoi ça fait que sur Altix? Attends, je vais tester. Si moi j'écris, moi je suis en rose. J'enlève le Twitch Color, save. Je remets le Twitch Color, save.
Ok, est-ce que c'est que l'exemple du Twitch Color parce que c'est géré différemment? On va tout de suite le voir. Je mets le username en taille 20, 28. Ok, je save. Ok, ça l'a fait pour tout le monde, on est d'accord. Use Twitch Color, save. Ça l'a fait pour tout le monde, on est d'accord. Use Background Color, save. Bah, ça fait pour tout le monde là. Non, ça fait pas pour la personne en haut là. Ok, là je le mets en taille 57. 58, allez, save. Ah ouais, mais du coup je peux plus lire. Je fais en taille 11. Save. Ça l'a modifié pour tout le monde. Donc c'est juste Volkos là. Pour une raison inconnue, le Twitch Color il marche pas sur toi. Mais sinon ça fonctionne bien. Entre guillemets, ça a l'air de bien fonctionner. Je mets une box rouge là. Pour le container, ok. On va mettre une box bien rouge. Save. Ok, ça l'a modifié chez tout le monde. Ouais, sûrement car c'est une couleur par défaut. Ouais, c'est possible. Et c'est possible que si c'est une couleur par défaut, c'est calculé qu'une fois le fond. Mais ça a l'air de fonctionner en tout cas. C'est-à-dire que là, j'active le full width, je fais save, paf, c'est activé. On peut voir dans ma démo à droite. Donc concrètement, ça fonctionne bien. Et c'est ça vraiment, moi, le truc que j'aimerais faire. Comme ça, la personne, elle peut vraiment le styliser en regardant ce qu'elle a sur son overlay. C'est-à-dire, pour vous montrer, moi, je vous ai ici. Ok, et là vraiment je peux styliser en mode ah bah non, finalement là c'est pas joli, j'enlève le width et je fais un save, et qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça donne ça, c'est mieux, ouais. Et donc c'est vraiment le concept, c'est de pouvoir styliser et qu'on n'ait pas besoin d'aller sur son overlay OBS et faire un refresh à la main. Ok, donc en tout cas pour le chat thème, ça fonctionne, ça c'est cool. Je vais juste faire un petit refresh ici dans mon doc. Ok, le doc a été corrigé, voilà. Alors il est corrigé à moitié, nous avons un autre problème. Nous avons un autre problème, attendez. Ok, trop bien. J'adore. Nous avons un autre problème pour gérer cette chose-là, mais c'est pas grave. Le problème étant que si c'est trop petit, il nous râle à la gueule et il ne devrait pas. Je vais vite corriger ça, again, et faire une release. Attendez, j'arrive tout de suite. Donc, ici, dans le routing, tac. C'est dans le shell, je crois. Donc dans layout shell, ici on a page without layouts, ok, qui sont apportés depuis la navigation. Et donc là nous avons slash events. Donc logiquement il ne devrait pas avoir de layout. Et du coup ne pas avoir le souci qui nous dit la page est trop petite. Hein, parce que là si je mets un petit, ça le fait pas. Alors, est-ce que c'est mon doc qui est simplement explosé? C'est possible que c'est mon doc qui soit explosé, mon doc... Attendez, on va regarder ça. Je vais supprimer le doc, tout simplement. Je vais le recréer. Et c'est bon, problème corrigé. Et du coup, merci à tous les follow, tous les gens qui ont follow, problème corrigé. Hop là, on va chercher à comprendre pour le moment. Nous sommes encore en bêta. Ok, donc non, c'est tout bon, tout bon. Problème corrigé, voilà, exactement, c'est ce problème-là que je disais. Ok, donc là, on a la mise à jour de notre chat. Hein. D'ailleurs, que je vais supprimer de mon overlay, ce qui c'est dégueulasse. Et ça fonctionne. Alors, ce que je voulais regarder, moi, c'était est-ce que dans le code des embeds, dans un chat message, il y a quelque chose par rapport à la couleur de la personne? Ah oui, ça c'est autre chose qu'il faudrait faire, c'est augmenter le scale des emotes en 3.0. Donc première chose à faire. Après, donc là on reçoit le message onMessages, ok, qui est stocké dans la variable message. Et ici, concrètement, on va regarder un peu les... Alors déjà, on a les badges, ok. On a la badge broadcaster qui là va nous... Ce sera ce qu'on va faire après coup pour récupérer le sub badge. Et qu'on peut récupérer aussi... non, pas broadcaster, subscriber là-dedans, on doit l'avoir.
Ou c'est là-dedans, je sais pas. On verra, il faudra qu'on regarde. Là, il va peut-être nous dire il est subscriber depuis X mois, quoi. Ok. Donc là, on a ID, et on a la color ici. Ok, on parse le message, on le set, donc là les informations seront stockées, donc là normalement il n'y a rien à voir. Hein. Et si je vais voir du coup dans le chat ici, on a le global style qui est calculé instantanément, ok. Si on est en développeur mode, il fait un certain truc, ok. En l'occurrence, on ne l'est pas, donc on s'en fout, et il l'affiche. Donc il devrait rendre cette chose-là, donc logiquement, c'est très bizarre le problème qu'on avait. Mais pour moi, c'est un problème un peu à part. Ok, on va pas le, on va pas juger quoi. On va faire pareil pour les labels. J'étais pas là en fait. Salut Lior. Ah merde. C'est vrai, t'étais pas là. Bah d'habitude, t'offres des subs hein, quand tu viens. Je suis un peu déçu que t'en aies pas offert quoi. Salut Kémira, bienvenue sur le stream. Attendez, là j'ai même dézoomé. Ok, là on va tester pareil pour les labels. Donc là je vais afficher le nombre de viewers par exemple, save, voilà. Et je vais aller dans général, labels ici, et je vais embed celui-là dans mon overlay à nouveau pour qu'on puisse tester. Hein. Donc browser, je vais l'appeler label test. Tac, hop, on met ce label. Voilà, là il est mis en bas à gauche, très très bien. Je vais le déplacer un peu en bas là, comme ça, tac. Et ça, ça va être notre label de test. Arrête de te foutre de ma gueule. Comment ça va, Lior? Et là, le concept, c'est pareil. C'est-à-dire que là, si je modifie un truc, par exemple là, je mets un 2 et que je fais save, j'aimerais bien que ça le mette à jour automatiquement sans que j'ai besoin de refresh la source moi-même, comme on a fait pour le chat, ok? Donc, même principe, on va faire exactement la même chose. Donc là, on a modifié ça dans le chat theme. Ici, ok, d'ailleurs, ça devrait monter plus haut. Voilà, ici. Ok, donc là, on a fait dans le update ici. Moi, je vais faire exactement pareil maintenant pour le label. Donc le label, hein, on a à peu près un contrôleur qui ressemble à l'entre-label. Donc ici, même endroit, on va faire un petit coup de update, send. Et là, on va envoyer exactement cette chose-là. Donc là, c'est la même URL qu'on a envoyée là, sauf que là, on a un chat et là, on a un labels. Ok, on va await cette chose-là, et là, le code est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Feature très simple à coder, c'est ça qui est cool, pour un stream. Maintenant, le concept ici, à nouveau, bah, c'est qu'on écoute sur n'importe quel event qui pourrait arriver, et on fasse un refetch quand ça arrive. Donc, je vais copier ça, je vais le coller là, et là, on va récupérer un petit coup de refetch. C'est pas ça qu'on doit refetch, c'est ça. Refetch, voilà, je sauvegarde. Et là, logiquement, c'est fait. C'est-à-dire que je vais refresh une fois ma source, comme ça, on est bon. Ok, je vais aller là. Et là, concrètement, je mets 2, je fais save. Et ça n'a pas fonctionné. Trop, trop bien. Bah, ça va, j'ai fait ma tournée des streams pour dépenser ma paix. Je suis le dernier parce que je suis celui sur lequel tu veux rester, hein, c'est ça. J'ai compris. Et bah, dis donc, j'espère que dépenser ta paix le 10, j'espère que t'as de quoi tenir hein, avant la prochaine paix. Merci beaucoup, Lior, en tout cas, ça fait plaisir. Alors, attends, je refresh, là, on a bien le 2 qui pop. Ok, ça, c'est bon. Alors maintenant, je veux juste voir, je sais pourquoi ça fonctionne pas, parce que là, j'ai mis chat, et là, c'est labels. Chat, ça n'existe pas. Ok, on reteste, je refresh. Là, j'enlève le 2, j'appuie sur save, et j'ai bien le 2 qui a dégagé du truc. Cool. Je vais link 2, j'active la full width, qui ne fonctionne pas. Très intéressant. Je change la couleur, je le mets en rouge, je le mets en 22. Je fais save, tac, ça la met à jour dans le overlay. Donc ça marche pico bello. Cool. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'event list. Donc l'event list, c'est ça. C'est en gros, quand je spam mes events, là, vous pouvez voir qu'ils pop. Là. Merci Chlore qui a follow 250 fois la chaîne, d'ailleurs. Merci également Lior qui a donné 2500 subs à cette chaîne. Donc ça, c'est l'event list. Maintenant, on va faire exactement pareil pour l'event list. Alors, c'est un peu plus chiant à tester, je vous le cache pas, mais on va le faire quand même. Donc, j'enlève cette test horrible d'embed et on va en faire un nouveau que je vais appeler event test. Paf, save. Ok, donc là on a mon event list test qui est horrible à tester. Oh, comment j'ai testé ça? Il faut que j'utilise le Twitch Shelly. Hein. Attendez.
Attendez, je suis en train de tester là, ça a l'air d'aller. Localhost 2.3000 slash. C'est quoi l'URL? API route, c'est ça, Twitch Webhook Events. Receive statut 404. C'est pas ça? C'est pas localhost 2.3000? Localhost 2.3000 slash Twitch slash Webhook slash Events. Ouais. Not found. Horrible à tester. Mais vous savez quoi? On va pas le tester. On va pas le tester parce qu'on a confiance en nos codes. On sait que ce qu'on fait, ça fonctionne. Pas de problème à ça, ok? Par contre, là, ça va être un peu différent parce qu'on utilise ça déjà. Ok, on utilise déjà les events sur l'event list. Donc, il faudrait le tester. Ok, donc là, on écoute déjà sur ce magnifique endpoint qui est celui-là. Ok, ça, c'est bon. Et là, on va rajouter un deuxième du coup qui est ça. Nickel. D'ailleurs, là, ça devrait pas être ça. Ça devrait être ici. Ça devrait être le secret. Ça devrait être data. Data, ça vient d'où? Data, ouais. Point. Là, ça devrait être user. Point secret. Normalement, ça devrait être ça. On va tout de suite vérifier si c'est bien ça, mais normalement, c'est ça. Hop. Alors, attendez, je vais aller voir sur l'API. Je vais aller voir dans l'event list. Embed controller, et là on peut voir que les event list, je renvoie bien le secret dans l'utilisateur. Donc oui, c'est très très bien, c'était censé être comme ça. Cool. Donc là on écoute sur les deux, et là il va falloir que je dise lequel est quoi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là on va faire un petit coup de console.log de mon event, et on va voir la gueule du schmilblick, quoi. J'aimerais bien fixer moi le trigger en local. Donc là, si je fais un Twitch event trigger channel.follow F, et là qu'est-ce que j'ai à disposition? Ok, j'ai chaque fois eu via un tunnel ngrok, hein. Bon, pourquoi pas, hein. Écoutez, on va lancer un tunnel ngrok. Et on va voir ce qui se passe. Tac, alors là, attendez, je vais afficher mon point env, donc je vous le cache. Voilà. Tac, et j'envoie. Invalid event. Comment ça, ngrok not found? Ce que vous dites n'a aucun sens. Mais attendez, j'ai merdé ma commande. Salut Brouille, comment tu vas? Comment tu vas Brouille? Bienvenue sur le stream. Le stream ici où on fait un code qui fonctionne, bien évidemment. Le seul et unique d'ailleurs, un streamer qui fait un code qui fonctionne du premier coup assez souvent. Ok, et là je vais envoyer mon secret que je vais du coup aller repomper. Attendez, bon, il n'est pas très secret, hein, mais c'est juste que j'ouvre les autres. Secret, clic droit, j'envoie la sauce. 404 404 Twitch Webhooks Events. Est-ce que c'est pas ce qui me fait un get? Très bien, merci, j'espère que vous tous aussi. Ouais, je pense que mon chat va bien, j'espère que mon chat va bien. Moi, en tout cas, je vais bien. Bien, parce qu'on fixe des bugs. Et est-ce qu'on ne se sent pas mieux après avoir fixé des bugs ou ajouté des petites fonctionnalités cool? Franchement, moi, je kiffe, quoi. Petite minute du silence pour Windows 7 et 8.1. La fin du support. Mais Windows 7, c'est arrêté d'être supporté depuis déjà là. 5-6 ans, non, je me souviens que j'étais encore sur Facebook le jour où Windows 7 était plus supporté. Alors attendez, j'ai une erreur 404.
ça me turlupine. Je suis sûr que vous avez pas entendu ce mot depuis belle lurette. Si je regarde mon Hancock, il y avait eu un post sur slash Twitch, slash Webooks, slash Evans. Alors, est-ce que là, je renvoie en 404 d'une certaine manière? Est-ce que j'ai un get or fail ou un truc comme ça? Find by or fail. Ouais, il est là, je pense. Je pense qu'il est là. Il est là, le problème. Alors, attendez. Tac. Je dois faire ça, et là je dois faire tirer T, et là je vais devoir mettre, je pense, le user provider ID de moi. Alors attendez, close connection. D'ailleurs, si vous voulez nous aider pour streamer, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site, même si vous, juste pour le tester, ça nous aide grandement. Ça nous fait des stats cool à share après. Invalid event, donc c'est pas tirer T. C'est autre chose, donc on va aller souvent faire un Twitch help. Alors là, vous voyez pas ce que je fais, c'est tout à fait normal. J'essaie de lancer un event de test. Si jamais. Tac, tac, tac. Alors, transport, c'est bon. Secret, c'est bon. From user, c'est -f minuscule. Alors attendez, to user, c'est tiré T minuscule. Ah, voilà, ça pop. Ok. Donc là, ils sont en train de popper. Magnifique. Comme ça, je peux les rejouer depuis ici. Tac, 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 tac. Ok, cool. Ça fonctionne. Il y avait un support payant. Ok. Bah, je ne savais pas. Je savais pas du tout. Ok, bah bon, bon à savoir. Ok, donc là, j'ai mon event. Tac, 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 tac. Vous voyez, je peux faire spammer de l'autre côté. Et là, le concept, ça va être pareil. Donc là, mon but, c'est d'avoir déjà un console.log pour voir la tête de mon event. Donc, je vais l'embed dans ici. Ouvrir la console et regarder le schmilblick, quoi, qu'on reçoit. Donc, je vais aller ici. Je fais un envoi. Tac. Et là, je reçois cette chose-là. Donc là, je reçois ID, replay true, user ID et tout. Donc, je reçois vraiment l'info comme quoi il y a un truc qui s'est passé, quoi. Alors que si je fais un save là, donc si je vais dans mon event list, je vais là, je fais un edit, je vais aller dans mon API ici dans le event list controller, et lors du update ici, on va faire comme on a fait pour les autres, hein, un petit coup de update send, et là on va envoyer sur, allez Copilot, tu peux le faire. Copilot n'est plus connecté à GitHub, vas-y Copilot, j'ai la flemme d'écrire ce bout de code. Vas-y Copilot, s'il te plaît, sauve-moi la vie. Là je dois mettre quoi Copilot, s'il te plaît, dis-moi tout. Tu l'avais presque, c'est exactement ça. Donc là on envoie le secret hop de reload, ok, bonne chose de faite. Donc là si je fais save, tac, là on reçoit un objet vide. Donc là concrètement, s'il y a l'ID, c'est un cas. S'il n'y a pas l'ID, c'est l'autre. Donc, ça va être assez simple, assez gérable. Donc, if event.id, tac, et là, on va faire ça. Alors après, bien évidemment, il faudra qu'on ait un autre moyen plus propre de le faire. Et là, on va faire un petit coup de... On va faire un return ici. Et là, du coup, on va faire un refresh. Refresh, comme ça. Et ici, on a refetch, pardon. Refetch. Et là, on va faire un petit coup de refetch. Tac. Donc là, ça devrait être bon. Logiquement, ça devrait être bon. On va tout de suite tester. Je vais aller là. Je vais faire une modification horrible. Je vais faire, par exemple, que le container, le background, il sera rouge. Et je vais spammer les events là. Là, on va aller spammer les events. Et je vais instantanément sauver. Donc là, je spam, spam, spam. Je vais là, je fais save. Tac. Ils sont rouges. Ah, oh, c'est beau. Enfin non, c'est pas beau. En fait, j'aurais pu très bien faire ça aussi. Delete after time. Voilà, comme ça. Je sauvegarde, j'envoie, et là il devrait rester indéfiniment. Voilà, ça m'évite de tester dans le temps. Et là du coup, je peux styliser en mode, bah attends là le container, je veux qu'il soit plutôt comme ça, je sauvegarde, tac, j'ai le résultat directement dans mon overlay, sans besoin de changer, sans rien refetch. Tac, le message ici, on va plutôt le modifier ici pour le follow là. C'est dans les textes, pardon. Et puis là, je peux dire, attendez, le follow, c'est peut-être super. Sué, voilà, il a sué le channel, je save, paf, ça marche. Ok, bah c'est cool, ça fonctionne bien. D'ailleurs, pour l'anecdote, Windows 7 vient d'avoir une mise à jour juste avant sa mort pour le support EFI. Comme quoi, plus de 10 ans plus tard, sûrement une demande du gouvernemental. C'est quoi le support EFI bruit ?
cool. Bah, en tout cas, ça fonctionne là. Donc concrètement, maintenant, dès qu'on fait une petite modif, ça modifie en live dans l'overlay l'info. C'est cool. Donc je vais muter ça. Je vais profiter, même si j'aime pas faire ça, mais je vais profiter de faire 2-3 petites modifs dans la même PR. Et on va tout de suite faire après un push. Un push sur la prod. UEFI, ok. Ah ouais, ça supportait pas l'UEFI Windows 7 ? Intéressant. Cool. Donc ça, c'est fait. L'auto-update fait. C'était un truc rigolo à faire, assez simple. Bonne chose de faite. Cool. Donc là, on va créer une petite... Alors, juste voir ce que j'ai modifié. J'ai modifié que ça. Là, c'est bon. Là, j'ai modifié que ça. C'est bon. Et là, j'ai modifié que ça. C'est bon. Enfin, non. Là, j'ai modifié aussi l'URL, ça, qui devrait utiliser le secret. Mais c'est cool. Alors, je crois que je vais push directement sur staging. Hein. Fit. Auto. Update. Overlay. When asked. Ok. Puff, on commit. Alors, quels sont les warnings? Ok, c'est que des problèmes de type qui seront réglés dans un futur quand on aura externalisé la librairie. Ok, moi, l'autre problème que je vois pour le moment, c'est concrètement, vous le voyez peut-être, mais au chargement, il y a un petit loading qui pop. Et ça, c'est horrible. Surtout pour un embed. Donc, on va faire qu'il n'y a pas de petit chargement. Ok, on renvoie une div. Voilà, c'est vite qu'il y a un petit loading noir qui pop sur votre écran au moment de l'initialisation des embeds. Tac, et ici, pareil. Tac. Ok. Comme ça, on est bon. Donc là, logiquement, si je réactive le chat, par exemple, et que je fais un refresh du chat, tac. Voilà, on n'a plus de petit loading qui pop. Maintenant, c'est très bien, quoi. Donc là, je vais faire un tac. Fix remove loading message when initializing embed when fetching data. Cool, on commit. Hop, un petit truc à enlever de plus. Donc là, on a fait deux des trois features qu'on veut faire. Je rappelle, la première, c'était corriger l'embed des events, c'est fait, c'est déployé en prod. Deux, c'était faire l'auto-update, ce qu'on vient de faire. L'auto-update, c'est des trois éléments que pendant Strix gère, c'est fait et ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. Ça a été publié sur le côté embed, pas publié en prod encore. On va publier maintenant sur le côté dev. Enfin, API, pardon. Donc là, on va juste vérifier ce changement est validé. Ici, c'est pas validé, ça doit aller plus haut. Et d'ailleurs, il faut que j'ajoute un plugin ESLint qui le gère. Là, on est bon. Ok, c'est vraiment du code très très simple. Hein. C'est ça qui est cool. Et là, on est bon aussi. Donc je vais publier ces trois et je vais marquer fit, send update, notification, when modifying, when saving. Elements et on commit. Voilà, parfait. Donc tout fonctionne. Non, Will, regarde, ça fonctionne bien. Regarde, je te montre. Là, j'ai un chat. Ok. Là, j'ai un label dégueu. Et là, j'ai une event list qui est là. Ok. Maintenant, je suis en train de styliser mon truc. Donc le chat, là, je me dis attends, peut-être que ici, je veux que le name, eh ben, il soit en taille 48. Je suis comme ça, j'appuie sur save, et là, paf, eh ben, ça a modifié mon chat. Pareil, l'event list, là, je me dis peut-être qu'en fait, j'aimerais bien que le container, il soit d'une couleur, allez, bleue, jolie comme ça. Je fais save, et paf, ça passe en bleu. Et le label, ben, peut-être que ici, j'ai envie d'autres choses. Hein. J'ai peut-être envie, par exemple, d'afficher ici Will. Voilà, je fais save et paf, ça modifie mon label automatiquement sans perdre le state et tout quoi. Donc je me dis c'est très pratique, surtout pour styliser. Par exemple, l'event list là, c'est cool parce que sur votre overlay, vous pouvez l'avoir, vous pouvez styliser, tester et quand vous faites save, ça modifie en direct. D'ailleurs, tu as le test user a suivi le channel, mais il a plutôt follow le channel. Le texte était faux. Je sauvegarde, tac, ça met à jour, ok, mais il est pas très lisible quand même. On va plutôt laisser en blanc. Et si vous voulez mon avis, le message il devrait être un peu plus grand, genre en 24. Voilà, on va essayer. Je save, paf, oh là là, c'est magnifique.
et l'accent, on va le mettre en 24 aussi. On save, tac, voilà. Donc ça, ça fonctionne bien. Et c'est publié. Cool. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Tout est publié. Pas encore en prod, mais ça sera fait dans la soirée, je pense. Donc, bonne chose de fait. Alors, je vais juste publier ce fichier. Fit allo embed on Mercure. Embed endpoint on Mercure. On commit. Et bienvenue à toi, Ikoto. Bienvenue, bienvenue. Ok, et je push comme ça. Oh, on pourra faire la publication en prod plus tard. Donc, dernier point pour ce soir, pour ce stream de ce soir, c'est get les subscription badges, par exemple. Vous pouvez voir que William Traoré est sub à ma chaîne, et pourtant, dans mon chat, en haut, il n'est pas affiché comme sub à la chaîne. Ok, donc ça, c'est un changement à faire. Autre changement aussi con, entre guillemets, mais dans la liste ici, on a Hype Train Progress, qui est un event qu'on ne gère pas. Donc, il faudra qu'on le dégage, entre guillemets. Mais c'est moins chiant que les sub badges. Enfin, c'est moins une feature intéressante que les sub badges. Donc, on va aller récupérer les sub-badges dans utilisateur et on va créer un endpoint pour, comme ça, après le chat va lui pouvoir récupérer les différentes images et afficher le badge en fonction du mois de sub de l'utilisateur, ok? Donc, pour faire ça, on va aller dans les embeds ici et je vais déjà, moi, afficher à chaque réception dans message, j'aimerais afficher, en fait, ici, donc le on message, ah, d'ailleurs j'ai changé ça, j'ai commit sans se préciser dans le commit message, mais c'est pas grave. J'aimerais en fait tout simplement afficher le message. Ici, je vais le console log, MSG. Comme ça, je vais pouvoir moi-même débugger un peu la tête du chat. On va embed ce très 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 beau chat d'ailleurs. Celui-là, il est vraiment de toute beauté, hein, j'ai envie de vous dire. Et là, si j'envoie un test, tac, j'ai mon message qui a popé ici, je vais zoomer un peu. Ok, donc là on peut voir que je suis subscriber. Donc subscriber, ça me dit juste true false. Ok, et là j'ai pas plus d'informations que ça. Alors on va aller voir maintenant la tête réelle qui s'appelle tags. C'est marrant, pourquoi ça s'appelle tags alors qu'on a un message ici, tags message. Ok, le message c'est le message envoyé. Ok, ça me paraît cohérent. En petit F5 ici, je renvoie un petit test, paf, j'ai mon autre information, et là on a plus d'informations. On a le badge info, subscriber 26. Là ça me dit que je suis en sub depuis 26 mois, ce qui est le cas en gros, pour ma propre chaîne. Ok, et là on a mes badges. Alors on a ce badge là aussi, qui est le badge de la GlitchCon, que vous pouvez voir, c'est le petit dinosaure à côté de moi. J'ai le badge subscriber 12 mois. Et j'ai le badge broadcaster 1. Donc là, c'est ça qui nous intéresse, nous. Ok ? Donc on va stocker l'info du badge subscriber. Et là, on pourrait imaginer stocker aussi ces badges-là. Par exemple, il y a certaines personnes, par exemple Coco, qui a le badge Prime Gaming. Il y en a qui ont le badge Turbo. Et ça pourrait être intéressant de les sauvegarder. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est ici rajouter badge subscriber. Et je vais simplement pas mettre en true false. C'est mettre le type de badge, ok. Donc là, on va mettre tout simplement la valeur qui est stockée. Et là, je vais marquer ou 0. Ou 0, voilà. Donc là, bon, le truc dommage, c'est que ça, c'est des booléens et là, c'est un nombre. Mais c'est cohérent quand même. C'est cohérent et on le gérera après par la suite à l'affichage. On verra bien sûr si c'est gérable facilement ou pas. Concrètement, ça, on pourrait l'enlever. Il sert plus à grand chose. On va l'enlever. On va l'enlever. Parce que pour moi, ça reste dans les badges. Alors après, on verra avec Will si ça lui va ou pas. Là, je ferai une paire pour cette feature. Ok, petit F5, tac, je renvoie un message test. Pouf, et là, du coup, j'ai bien dans mes badges ici un subscriber 12. Cool. Maintenant, le but, c'est de convertir ce 12 en l'émote qu'on veut. Et pour ça, il faut faire un call API à Twitch. Donc Twitch, je fais un get badge. Je m'étais déjà un peu renseigné. Get badge. On a un endpoint tout simplement pour récupérer les différents badges de l'utilisateur. Alors attendez, en zoomant, ça a tout explosé. Get channel badge.
Non, c'est bon. Ok. Donc là, je devrais avoir, voilà, je devrais avoir pour les bits aussi. Alors là, on pourrait imaginer le gérer ou pas. Pour le moment, c'est pas prévu. Et on a les différents badges pour les subs. Voilà, c'est, je cherchais. Donc concrètement, c'est assez simple. En get avec le broadcaster ID. Ok. Donc on va tout de suite tester ça. Vu que moi j'ai accès à une API. Donc ici dans Twitch, j'ai un API gateway. Et là, je vais tout simplement créer une nouvelle méthode que je vais appeler get. Faudrait que j'ai le raccourci pour tofold. Que je vais appeler public. Public static async. Et j'ai appelé ça get subscription badge. Subscription avec un P badge. Ok, pour un user défini. Ça, c'est le endpoint. Et on va aller simplement copier ce fabuleux code. Clac ! Qu'on va coller ici. Donc, j'ai besoin de un authorization et mon client ID. Donc, c'est tout à fait ça. C'est très, très bien. Et ici, le endpoint, c'est ça. Voilà. Et là, c'est pas tout ID, c'est broadcaster ID. Voilà. Et là, logiquement, c'est bon. Là, logiquement, je peux faire un console log de ma réponse. Et je devrais avoir la liste de mes badges à moi. Et on va tout de suite tester. Je vais faire un return de la réponse aussi. Tac. Ok, cool. Donc là, on va faire très très simple. Je vais aller dans mon fichier de route ici. Je vais me créer une route que je vais appeler test. Et on va tester. Test. Que je vais d'ailleurs mettre ici. Et là, on va aller tout de suite récupérer. On va même le return de mon API gateway. Ici, on va faire get subscription badges. Ok. Cool. Et là, il me dit quoi? Accepted one argument and got zero. Oui, c'est tout à fait normal. Là, on a l'auth. Et ici, j'envoie auth.user. Cool. Donc là, maintenant, si je vais aller taper dans mon API, donc c'est localhost 2.3000, 3333. Ok, et je vais faire slash test. Et là, j'ai mes badges. Donc parfait, j'ai mon set ID, subscriber, et là, j'ai badge version 1. Si j'ouvre un gros, ça me le met un gros. Nickel. Un peu moyen et un petit. Et j'ai 0, 12. Donc 12, c'est le bleu. C'est ce que j'ai. Ok, 2000, c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il y a une étoile dessus? 3 mois? 3000. Ah, c'est les tiers! 3, 0, 0, 0, tiers 1. Non. Pourquoi il y a... C'est les tiers, il n'y a pas quelqu'un qui veut sub tiers 3 là? Ça, c'est les tiers, ça? Mais pourquoi 3002? C'est pas la même couleur. Ça, c'est tiers 3, badge sub 2. Ça veut dire ça, non? Là, c'est tiers 2, ok. Et tiers 1, c'est standard. Ok. Oh, ils auraient pas pu faire plus simple, hein. Genre nombre de mois et tiers quoi. Deux. Non. L'ID c'est le tiers et pas de tiers avec pas de padding et sinon. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, an ID that didn't find the version of the badge. The ID can be any value, for example, bits. The ID is a bits tier level, but for World of Warcraft, it could be Alliance or Horde. What? C'est quoi le rapport avec WoW? j'ai fermé par erreur. Alors attendez. Non mais. Badge. Il y a un impôt sur les trucs logiques, c'est pour ça. Ouais, j'ai l'impression, Thermo. Ceci n'a aucun sens. Ok. Ok, bah je pense que nous on utilisera de toute façon la x4 chaque fois, histoire de.
Parce que c'est pas écrit qu'elle est optionnelle. Après, j'ai peur en voyant Twitch, quoi. Cool. Ok. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est modifier un petit peu l'API, bien évidemment, ici. Donc là, on va retravailler la réponse. Donc, le but ici, déjà, c'est d'aller récupérer les badges de sub. Donc, moi, je vais faire un petit coup de response, ici, point, find. Ok, donc là, on peut aller regarder un peu la gueule du truc. Donc, on est déjà dans data. Donc là, je vais faire point data, point. Donc là, on est dans data, et là, il me faut que je trouve le set ID qui est égal à subscriber. Donc là, j'ai mes différents sets. Et mon but, là, c'est de trouver le set ID est égal à subscriber. Ok, cool. Une fois fait, et là, il faudrait que je teste avec quelqu'un qui, lui, n'a pas de badge de sub. Parce que concrètement, je ne sais pas si Twitch me renvoie ici les images de base de Twitch. Donc, ce faire, c'est une petite étoile. Ou s'il me renvoie rien, en fait. C'est ça mon problème. Et ça, il faudrait que je teste avec quelqu'un qui n'a pas de badge de sub. Ben en fait, j'ai qu'à envoyer un autre ID là. si j'ai accès à la personne. C'est pour ça que je n'ai pas sub. Non, c'est pas ça. C'est pas un utilisateur qui n'a pas sub. C'est un utilisateur. Merci Ikoto d'ailleurs pour le follow, je sais pas depuis combien de temps. C'est un utilisateur de Strilly qui n'a pas d'image de sub. Parce que de base, quand vous subez sur un channel, vous avez normalement une petite étoile dans un carré Twitch. Or moi, vous voyez, j'ai des queues de renard. Voilà. Si vous subez, là, il y a des queues de renard. Le chat, ouais, dans le chat, là, qui est à votre gauche, quoi. Et moi, je veux savoir, en fait, ce que Twitch me renvoie si cette personne-là n'a pas défini d'image de sub. Vous voyez, est-ce que moi, j'ai défini les images de sub, donc là, c'est très bien, mais voilà. Et ce que je vais faire, c'est que vu que moi, je suis quelqu'un de gentil et intelligent, je vais tout simplement parcourir les versions. On va faire un petit coup de map. Et là, mon but à moi, c'est de refactoriser ça pour que ça soit sexy à utiliser côté front. Parce que ça sert à rien d'écrire une gateway ici. C'est pour faire un truc qui est pas sexy à utiliser, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est return. Déjà quelque chose. Donc moi, ce que je propose ici, c'est déjà de marquer pas un ID, mais un month. Donc le month ici, je vais y arriver, le month sera égal à quelque chose, par exemple 1. Puis ici on aura le tier hein, qui sera égal à quelque chose. Et là on va reprendre par exemple 1000. Je crois que c'est ce qu'on a dans notre enum en tout cas. Subscription status, voilà, on a prime, 1000, 2000 et 3000. Ok, prime c'est considéré comme tier 1 et 1000 aussi. Donc là par exemple on mettrait tier 2000. Ok, et après on aurait genre les images. Et là, on aurait... C'est quoi ? On aurait une fois qui aurait un lien. On aurait deux fois avec un lien. Et on aurait trois fois avec un lien. Alors moi, ce que je propose ici, c'est qu'on ne mette pas ça, mais on mette genre 1.0, 2.0, comme il y a pour les emotes, en fait, histoire de rester consistant. Et 4.0. Voilà. Moi, j'imagine bien un output comme ça. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Donc là, par exemple, si on fait un petit coup de F5, tac, ça nous retourne un truc comme ça, quoi. Ça vous paraît cohérent? Moi, ça me paraît pas con. Pas débile, entre guillemets, comme output. Maintenant, le concept, ça va être de récupérer la version ici et de pouvoir le détecter. OK? Donc là, on sait déjà qu'on a version ici. Si on regarde la doc à nouveau, dans version, on a l'ID qu'on va devoir parser. En gros, pour définir ça. Et ça, on les a déjà. Ça, c'est version.image. Je vais copier ça. .image URL en X. OK ? Pareil ici, on va faire version.image URL 2X. Et là, est-ce que Copilot est assez intelligent ? Voilà. OK, ça, c'est bon. Maintenant, moi, il faut que je parse l'ID. Donc là, l'ID, si je le retourne juste pour le trip là-dedans, version.id, comme ça on va pouvoir voir la tête du truc. Je retourne là, F5, ça. Et ça qu'on va mettre d'ailleurs en cache, hein, si jamais. Ah d'ailleurs, ça, je suis même pas obligé de le faire parce qu'il est calculé comme ça, là, en bas. Il est calculé là. Par contre, c'est marrant que ça soit 1, 2, 3. Donc ça, moi, j'hésite de faire plutôt en URL. URL, je prends le en fois. Ah, je sais pas.
Parce que j'hésite à prendre le en fois et de marquer ici en 2.scale, comme ça c'est configurable sur le front. En fait, moi, le principe, merci ton numéro pour le follow. Et là, en fait, mon but, moi, c'est d'enlever genre le dernier caractère. Un petit coup de splice de 1. C'est pas ça, hein, c'est pas splice. Hein. Si, c'est splice. Attends, on va tester. Si je fais ça, ça donne quoi? Ok, c'est pas splice. C'est split. Bon, vous savez quoi? Remove last character of a string. Ah, j'ai pas copilote. Login. Qu'est-ce que je ferais sans copilote? Oh, mais ils ont des problèmes derrière moi. Point slice. Ok. On teste, hein. Ok, magnifique. Et là, je rajoute plus de points scale. Deux points. Voilà, on va faire ça comme ça. L'URL, c'est ça. Ok, l'ID, là, c'est 0. Donc 0, pour moi, c'est égal à 1 mois. 12, c'est égal à 12 mois. Alors, comment je peux savoir? Je peux déjà savoir, je pense, s'il fait 4... Si l'ID fait 4 caractères, donc je vais le noter, hein. If... Et puis après, on verra si copilote est assez intelligent, quoi. Is full character parse the last. Est-ce qu'il y a des streamers qui ont plus de 100? The last three has number. Qu'est-ce qu'il va me dire là? J'ai plus copilote. Voilà, je pense que pour moi les trois derniers, il faut que je split. En fait, il faut que je fasse un const tiers et là je marquais months. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Tiers. Months. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? 0. ID 2. Tiers 2. Ok, non. Si version ID length est égal à 4, je prends l'item 0 et je parsint. Ça me paraît cohérent. 2, 2, 3, 2, ça me paraît cohérent, 6, 2, ok. Par contre, sinon, le tiers en prend la version ID, non, alors c'est l'inverse, non. Non, ici, ça sera, le tiers, ça sera 1000, et le version ID, ça sera le nombre de mois. Voilà, ça paraît moins déconnant. Et là, il faudrait que je fasse un fois, il faut que je fasse un parsint de ça, un number de ça. Et là, c'est un number de ça. Ok, il faut que je fasse un number de version.id de 0. Ok. Et ça, je fais x1000 toString. Ok, on va tester. Je vous laisse bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Donc là, month 0. Et là, je vais mettre 3. On a ça. Ok. Là, en vrai, c'est le dé qu'on somme une fois. Month 7, on va vérifier. Donc, Will, il a le 6 month badge. Donc, je vais sur le month 6 avec le tiers 1000. Voilà, c'est celui-là. Je clique, je mets 3 là-haut et j'ai bien le bon. Donc là, ça fonctionne. Donc maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que le month, ici, ça va être un number. Voilà. Donc là, logiquement, on est bon. Cool. Donc là, le parsing est bon. Tiers 3000, je vais vérifier à nouveau dans mes subscription tiers, c'est bien 3000, 2000, 1000. Donc là, on est bon. Donc là, logiquement...
On a un endpoint qui est plutôt pas mal. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait pour moi? Donc le nombre de mois, on a tout ça qui est bon quoi. L'endpoint fonctionne très très bien. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est le mettre en cache. Alors est-ce que je l'ai fait ici, la mise en cache? Non, je l'ai fait ailleurs. Ok. Oui, j'ai une question. Allez-y, monsieur Traoré, posez votre question. Pourquoi le label viewer n'est pas bon? Le label viewer. Comment ça, il est pas bon? Si, il est bon. C'est juste que. Moi, j'avais 25 aussi sur mon interface de Twitch. Sur mon interface OBS, j'avais 25. Si tu veux mon avis, c'est juste qu'il est. Vu qu'il y a un cache d'une minute, il est pas à jour côté Twitch encore. Mais si tu veux mon avis, il est bon. Il va se mettre à jour tout bientôt. Je pense que c'était un petit problème chez Twitch. Ok, donc ça, il faut que je le mette en cache. Alors maintenant, la question, c'est, je ne vais pas le mettre en cache ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'API Gateway. L'API Gateway, elle n'est pas faite pour... qu'est-ce qu'il me parle dessus, là? Ok, l'API Gateway, elle est faite pour aller choper les infos sur Twitch. Donc là, c'est pas là que je vais la mettre. Je vais la mettre, par exemple, dans ma route. Ici, je vais le mettre en cache. Et alors, j'avais un Labels Data. Ok, je suis en train de réfléchir comment je pourrais l'appeler. Bonjour monsieur, j'ai un souci avec votre outil. J'ai choisi couleur de pseudo sur le name, mais ça l'affiche en noir. C'est Stan. Salut Stan. Tu vois là, il est bon le label, il repasse à 39. C'est juste Twitch qui a merdé un petit moment, je pense. J'ai un souci avec votre outil. J'ai choisi couleur de pseudo. Couleur de pseudo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y a tout le monde qui stream. Il y a même DevGirl qui stream, nom de Zeus. Mais ça, c'est le. Il y a Silver qui stream, Graphicard qui stream, Willen qui stream, DevGirl qui stream, moi qui stream. On est 5 streamers à stream ce soir. Mais non, mais il faut qu'on se mette d'accord un jour. Faut qu'on se mette d'accord là. Mais tu testes avec ton pseudo parce que ton pseudo il est en noir hein, chez moi. Non, dans la démo, tu devrais en voir d'autres. Hein. Dans la démo. Tu vas dans chat ici et que tu ouvres la démo. Name, use pseudo color, tu devrais avoir ici par exemple du bleu. Oui, alors attends. En fait, t'as des gens qui peuvent définir une couleur. Genre moi, ma couleur à moi, elle est rose. Je l'ai définie. Will, la couleur de Will, il l'a définie, elle est rouge. Il y a des gens qui n'ont pas défini de couleur et du coup, il y a une couleur aléatoire qui est donnée sur Twitch et il y a une couleur aléatoire qui est renvoyée par TMI. C'est pas si la personne ne définit pas sa couleur, elle aura pas forcément la même couleur sur le chat. Et d'ailleurs, tous les gens qui regardent, par exemple, moi, Thermo, je le vois en bleu, mais ça se trouve, Thermo, chez lui, il est en vert. Et chez toi, peut-être Thermo, il est en rouge, tu vois, parce qu'ils n'ont pas défini de couleur. Donc, en fait, ça peut aussi être ça, si jamais. Bref, alors, on va faire un endpoint pour le récupérer. Route.get. Et là, si vous voulez mon avis, on va faire un petit user secret. Et là, on va faire subscription. Badges. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous paraît pas mal? Subscription badges. Et là, on va faire ici label info et là, on va faire point subscription badges. Monsieur Lance, l'admin est-il déployé? C'est possible. Oui. Mais nous ne sommes pas admin, monsieur Traoré. Il faut que je nous mette admin. Je peux faire ça tout de suite. Alors, DB Strilly, tac tac, user. Twitch username. Oui, l'admin d'ailleurs qu'il faudra qu'on refasse une fois qu'on a extrait le package, hein, bien évidemment. Voilà, vous êtes admin, vous pouvez faire slash admin, monsieur Traoré. Et vous devrez avoir accès à différentes informations, bien évidemment, qui seront étoffées. Par la suite, parce que maintenant on a plein de données en plus. Voilà, c'est bon. Ok, donc là on a user secret subscription badges. Ça va dans le Twitch Gateway. Donc on va aller tout de suite aller dans notre Twitch Gateway ici. Et là on n'a plus une méthode handle maintenant parce qu'on a tout simplement une méthode labels info pour ce qui existait déjà. Hop là, c'est réglé. Je peux fermer ça et on va avoir du coup une autre méthode que je vais mettre au-dessus public qu'on va appeler subscription badges. Ça fonctionne parfaitement, mais c'est dégueulasse. Hein, tu peux le dire, Will. Ok, et là, on va faire notre schmilblick. Donc là, concrètement, on va regarder un peu ce qu'il fait. Alors ça, il n'y a pas du tout. Twitch Verify.
c'est pas le bon contrôleur. C'est pas ce contrôleur. Personne m'a dit ça, mais c'est pas ce bon contrôleur quoi. Ok, c'est ça, la belle info. Ok, et là on va faire un petit coup de public du coup, subscription badges, et là on va faire notre Schmilblick. Donc là, première chose, pareil que ici, on va récupérer le secret de cette manière-là. Alors on va pouvoir le faire un peu mieux et on va tout de suite le faire. Les deux devs qui communiquent par live interposé. Et salut Flemme Rose. Là on va pouvoir binder ça, hein, ça sera un peu plus propre. Donc on va binder la valeur au lieu de la récupérer d'une manière abrupte comme celle-là. Donc là, hop, on va préciser qu'ici, on aura le user en deuxième. Très, très bien. Et vu qu'on passe par le secret, ici, je peux préciser du coup user.secret. Je crois que c'est comme ça. On va tout de suite aller voir là. Non, c'est pas comme ça. C'est avec une parenthèse. Voilà, comme ça. Donc là, je lui dis, je veux fetch le user avec le secret. Je vais faire pareil ici. Clac. Et comme ça, ça sera un peu plus joli ici. D'ailleurs, je pourrais faire pareil là, mais bon. Hop, on va binder ça, tac, ici, pareil, comme ça, ça m'évite de faire un petit fetch des familles, ici. Et là, la vie est belle. Cool, et ça, il n'y a plus besoin non plus. Donc ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une cache key. Très très bien, ça va être mis en cache pendant très longtemps. Alors là, c'est en secondes, je pense qu'il faut le mettre. Donc on va faire 60 secondes, fois 60 minutes, fois 24 heures. Et on va mettre en cache pendant un jour. Ok, le code qui m'a généré est parfait, si vous voulez mon avis. J'aime bien le code qui m'a généré. Donc on va tous tester. Ok, on va tester. Donc là, j'ai ma DB que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Et j'ai un petit secret qui est généré pour mon utilisateur. Ok, mon petit secret, si j'ouvre ici, ça ressemble à ça. Hein. C'est un long code, en gros, qui n'est pas guessable. Et on va tout de suite aller tester. Donc je vais aller sur /users/ le secret et on a vu que c'était /subscription badges /subscription badges et on devrait avoir, ok, on a une erreur qui nous dit request resource was not found. Ok intéressant. Tu devrais pour tester en live l'API et pouvoir râler. Je vais juste aller voir la doc du coup du root model binding si on n'a pas fait une erreur. On va aller voir ça. Post.slug. Donc non, ça semble correct. Ça semble correct. Donc /users/schmilblick/subscription badges. Et là, on a un resource not found. User secret subscription badges. Alors, je vais juste vérifier dans la doc. Basic usage. On est d'accord qu'on n'a rien d'autre à faire. Non. Ok. Ça, je m'en fiche. Donc là, users.users. Ok. Subscription badges, on va là-dedans. Et là, il n'y a rien de spécial. Donc là, le problème... concrètement, il vient à première vue du... Ah, mais c'est normal, j'ai pas copié la bonne chose. Excusez-moi. C'est pas ça que je dois copier, c'est cette chose-là. Paf. Cool. Donc là, on est une erreur. C'est déjà beaucoup mieux. Alors, on va aller voir ce que c'est l'erreur, tout simplement, qu'on a dans notre code. Donc pour ça, on va aller dans le exception handler. Et je vais, avant de report ici, je vais la console log. Console error de JSON stringify notre error histoire 2. Paf, ok, et on va réexécuter le petit schmilblick comme ça, moi je l'aurai sur mon CLI. Ok, l'erreur est vide.
trop bien. Ok, si on ne stringify pas l'erreur, qu'est-ce que c'est comme erreur? Allez, un petit coup de F5 à nouveau. Ok. Cannot read properties of undefined reading find. Cool. Ligne 117. Alors, attendez, ça, est-ce que c'est GitHub Copilot qui m'a tout pété? Ligne 117. Alors, ça doit être là-dedans. C'est ça le problème. Donc là, on va faire un petit console log de ça. Hein. Console log de response. Et on va voir ce que ça donne. Ah, j'ai un 400 ans, invalid access token. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Hein. On va se sign out, sign in again. Et on va réessayer. Hein. Non, ça ne veut pas. Ok. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Pour quelle raison? Ça fonctionnait très très bien avant. Invalide OAuth token. Donc en gros là il me dit ça, écoute, ton user access token il est pas valable gros. Et moi c'est pourquoi. Alors je vais console log mon user hein, juste pour m'assurer que le problème est pas ailleurs. Et mon user a bien tout qui est correct quoi. Et l'access token est fait à la connexion. Donc je refais un sign out juste pour vérifier. Je vais ouvrir ici. Je fais un F5. Ok, je me relogin. C'est fait. Ok, l'access token a bien été changé. Coup de F5 et ça fonctionne. Ok, on va dire qu'on n'a pas vu de problème. Ok, c'est un problème qui peut arriver que en dev, ça, donc c'est pas du tout grave. Et là, on a bien tout qui est affiché. Parfait, donc ça fonctionne. C'est nickel. Je tresterai les erreurs 400 ans là-dedans, je vais les traiter, mais pas maintenant. Donc là, on a bien notre endpoint qui est fait, en fait, tout simplement. Notre endpoint pour récupérer vous avez compris, pour récupérer les subscription badges. Ok ? Cool, on a cleané un peu tout ça. Nickel ! Alors, on va regarder un peu ce qui a été modifié. Donc, on a notre nouvelle méthode ici avec la modification des données qu'il faudra tester. Ici, je vais rajouter en to do test with a streamer that doesn't have, et ça, je pourrai le tester moi, doesn't have subscription badges. Voilà, je vais voir le résultat du truc. La route, on a ajouté la nouvelle route et on a refacto un peu ici pour utiliser le bindings. Très très bien. Et là, pareil, on a refacto pour utiliser le bindings et on a fait ça. Très très bien. Donc là, on va faire un petit coup de fit. Add endpoint to get subscription badges. Et on va commit and push. Et commit anyway. Push. Ok, fait. Maintenant, dans mes embeds ici, j'aimerais voir si j'ai un moyen de récupérer le tiers en fait de la personne. Donc là, j'ai toujours mon chat. On va l'ouvrir. Embed, tac. Je vais l'ouvrir dans le même ici. Et j'ai toujours mon console log qui est prêt quoi. Donc là, logiquement, si moi j'écris test ici, ok, on peut voir que j'ai bien le truc qui est venu. D'ailleurs, il essaie de choper subscriber, donc ça, il faudra qu'on change la logique. Et moi je suis tiers en, j'imagine. Et c'était pas ça que je. C'était les tags que je devais afficher. Console.log de tags. Voilà, donc là on va peut-être quand même le sortir ici. Même si c'est dans les badges. Ok, un petit F5, je renvoie test. Et du coup là j'ai ça. Donc badge info, subscriber 26. Maintenant ma question, moi, ici, subscriber où c'est écrit 12. Qu'est-ce que ça veut dire, subscriber 26? 26, c'est parce que ça fait 26 mois. Ok. Par contre, là, j'ai 12 qui s'affichent. Donc, est-ce que là, j'aurais 3001, 3002, etc. qui s'affichent? Si c'est le cas, il faut que j'ajoute quand même l'ID dans mon endpoint. Ou pas. Et c'est là où, en fait, il faudrait que j'ai quelqu'un qui est sub tiers 2 ou 3 à ma chaîne pour tester. C'est pas le cas. Dans le doute, ici, je vais renvoyer l'ID aussi. ID, voilà, histoire de, ok, comme ça on est sûr.
Et je vais du coup clear le cache chez moi parce qu'il est en cache pendant un jour. Donc attendez, je vais me connecter à mon cache dans la DB. Tac, et je vais clearer ça. Voilà, magnifique. Ok, donc là on est bon. Je vais maintenant aller dans mes embeds. Ici, j'espère que je vous perds pas trop. Hein. Là, on fait beaucoup de trucs qui sont plutôt cool, mais je peux vous perdre. On a les chat messages. Et là-dedans, on a les messages et name. Et c'est notamment dans name où on va afficher les badges. Voilà, c'est ici. Et là, j'aimerais rajouter du coup un badge de sub. Alors là, maintenant, je sais pas l'ordre dans lequel on les met. Parce que normalement, il y a modo, badge de sub. Et s'il y a un VIP, c'est dans quel ordre? Est-ce que j'ai un VIP sub? C'est VIP. Ok, c'est tout à la fin. C'est toujours à la fin. Donc là, je pourrais rajouter ici un if. Donc là, concrètement, c'est un if settings. Non, c'est... Attendez, là, on est dans badge content, entry badges. Ok, ok. Là, je récupère quoi? Badges color settings. Name. Ok, donc là, il faut que je le passe en paramètres. Très, très bien. Donc là, on va ouvrir ça. On va le ouvrir en grand. Et là, on va lui passer. Donc là, on récupère tout. Tac, tac, tac. On l'envoie les settings. On l'envoie le message. Data, data, ça correspond à quoi? Tac, tac, tac. Les messages, c'est le message. Ok. Donc là, je récupère le message. Ok. Et dans Name, je vais marquer subscription. Message subscription. Ok. Dans le Name, on va récupérer ça en props. Subscription, ça va être pas un numéro, ça va être un string d'après ce que j'ai vu. Ok, ça c'est bon. Et du coup ici moi j'aimerais afficher subscription. Alors ok, déstructuré là. Subscription. Je vais réafficher mon chat de test que je vais modifier un peu parce que là il est immonde. On voudrait pas, hein, je pense. Je vais mettre le name en plus petit, en 11. Voilà, on va sauvegarder ça et je vais mettre les badges. Name, les badges par contre en 35. Voilà. Ok, donc là on peut voir que j'ai un truc qui s'affichait à côté de Romain. Ok, si je renvoie un test ici, on peut voir que j'ai bien un truc qui s'affiche. Cool. Par contre, je n'ai pas demandé d'afficher. Alors, si vous voulez mon avis, il faut que je le refresh quand même. Voilà. Là, je fais test et là, j'ai rien qui s'affiche. Trop bien. Je ne suis pas obligé de l'afficher là en fait, je peux l'afficher très bien ici. Ça marchera très bien aussi. Follow command has two more children with the same key attribute. Oh, intéressant. Alors, on fait un petit F5, histoire de tout refresh ici. Donc là, tac, 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 j'envoie message subscription, je vérifie ici que c'est bien ce que je voulais faire. Donc quand on reçoit un message... Dans subscriber, ah moi j'ai marqué subscription, ça me paraît un peu mieux. Ok, petit coup de F5, j'ai juste vérifié ici, là c'était bien subscriber. Ok, donc là j'envoie un test et là j'ai 12 qui s'affichent. Parfait. Donc là, moi, ce qu'il faut que je fasse concrètement, c'est dans le name ici, dans ce composant là, je vais faire un const ici. Là on aura un data et j'aurai un use badges. Très très bien. Très 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 bien ça. Use badges. Ok. Et ici, concrètement, je récupère le secret et il faut que j'envoie le user secret. Alors là, on a deux moyens de faire. Je vais faire la moyen où je fais props drilling tout simplement. Donc dans le chat ici, je vais avoir un user secret. Et là, je vais envoyer le secret. Le data.user.secret. Ok. Donc dans chat message, ici, je vais récupérer le user secret. Qui est un string. Et là, ça va être user secret. Ok. Le user secret, je vais l'envoyer là-dedans. Voilà.
Et là, c'est du full props drilling. Et dans le name, ici, on va récupérer le, vous l'avez guess, le user secret. Ok, de type string. User secret. On est bon. Ok, et là, on va passer le user secret. Voilà, vous l'avez compris. Cool, et on va créer notre hook qui s'appelle useBadge maintenant. Donc là, on va faire un petit useBadges.ts. Et là, on est parti. Donc un petit coup de export function useBadges. Ok, là, on va récupérer le secret qui serait en string. Tac, et là, on va faire notre petit call API. Donc on va voir qu'est-ce qu'il me propose Copilot qui n'est de nouveau plus connecté. Donc on va faire ça au bout d'un moment. Hein. Donc là, on aura la query key. Query key qui va être égal à badges secret et on va faire notre petit query fn. Donc là on a une méthode asynchrone et la méthode asynchrone ici bah, on va faire un peu pareil qu'on a fait pour les par exemple c'est les bah, même labels ou autre hein. On va faire un get tout simplement sur la les endpoints. Donc le endpoint c'est slash users, là il y a le secret. Et c'est slash subscription badges. Voilà. Là, on va rajouter une petite option. C'est le stale time à infinity parce qu'on veut jamais qu'il soit mis à jour. Cool. Donc ici, maintenant, on peut faire un petit add import de ça. Et concrètement, ici, dans data, on devrait avoir les différentes URL de comment ça s'appelle des badges. Des badges. Donc là, on va pouvoir faire un petit const subscription badge URL est égal à, et là on va faire notre schmilblick quoi. En gros, on a accès à la subscription. Donc là déjà, si y a un subscription, on va prendre data.find et là on va aller chercher le badge qui a le même ID .url où on retourne undefined. C'est exactement ça. Donc là on va copier ça et je vais l'afficher là tel quel. Et on va voir si ça passe. Ok ? Donc là, je vais faire un petit coup de F5. Et on va voir qu'il y a une erreur. Secret is not defined. Hello, tu n'utilises plus TanStack Requery ? Si. Et salut DG Wanner. Bienvenue. Si, on utilise tout à fait... ce que tu viens de dire. TanStack Query. On va voir d'ailleurs ici. Ah non, Requery ? Pourquoi c'est Requery qui est installé là ? Ah, ça, c'est à cause de William Traoré, ça, hein. Vous inquiétez pas, on changera. Oui, tout à fait. Non, t'as tout à fait. C'est pas le bon rapport. Oui, non. C'est sur ce projet, je sais pas pourquoi l'autre est installé. On changera ça. Je vais changer ça après coup. Vous inquiétez pas. Mais merci. C'est vrai que j'ai pas du tout vu. J'ai pas fait gaffe à ça. Alors, attendez. Là, il me râle dessus. Il me râle dans quel composant ? Chat embed. Chat embed. Il me dit Coco, secret, ça n'existe pas. Hein. Je sais pas de quoi tu parles. Donc, secret is not defined. Alors maintenant, où est-ce que j'ai un secret ? Il me dit que c'est à la ligne 129. Donc, c'est ici. Donc en gros, est-ce que tu es en train de me dire que ça n'existe pas ? Alors attends, je vais clean ça. Alors je vais demander qu'il arrête de persister. Non, il s'en fout. Ok. 404. Alors j'ai un 404 là-dedans. Ok, parce que j'ai secret qui ne descend pas jusqu'à la fin. C'est fort possible si l'API ne renvoie pas du coup l'information. Donc on va aller vérifier ça. Si je vais dans les embeds. Et effectivement, ici, je ne renvoie pas le secret également. J'envoie que le username de l'utilisateur. Donc on va tout simplement renvoyer le secret également. Ok. Donc on va faire un petit coup de F5 ici. Et là, paf, ça devrait être bon normalement. Je vais clear ça. Je vais voir dans le network. Je vais refaire un coup de F5, XHR. Clear. Mais pourquoi c'est fou, hein, mais il me garde les... Allez, on refait un coup. Et là, j'ai mon chat theme. Ok. Et là, si j'en envoie un message, genre test. Général. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit l'erreur ? Can attack property find data is undefined. Ok. Could not connect to server. Ok, ça on s'en fout. Ok, donc là, on a bien un undefined. Data est undefined. C'est normal. Est-ce qu'il est undefined au début ? Et il l'est seulement une fois qu'il a été fetch. Donc, on va faire ça comme cela. Petit coup de F5. Changer. Clean tout ça. Allez, on va un petit coup de test. Je suis impressionné comment tu réfléchis et résous les algos aussi rapidement. Ouais, non, mais non. Et là, paf, on peut voir que dans mon... Enfin, vous voyez pas très bien, vous attendez. Là, on peut voir ici
Enfin, vous le voyez pas. Enfin, oui, à ma souris, là, voilà. On peut voir que j'ai bien l'URL vers le badge. Ok. Donc là, logiquement, maintenant, je vais faire .url.replace. Et là, c'est 2.scale par 3. Et ça, comme ça, ça pourrait être un paramètre défini par... Bref. Ok. Tac. Et donc là, si on l'a, on va l'afficher. Si on l'a, on va l'afficher. Donc là, on a besoin de key. Et la source, ça sera égal à ça. Là. Voilà. Magnifique. Donc là, logiquement, maintenant, ici, j'ai les badges de sub qui s'affichent. Regardez, je vous le mets là. Donc là, si vous parlez et que vous n'avez pas le sub, vous n'avez pas votre badge de sub. Si vous parlez et que vous êtes sub, vous avez votre badge de sub. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment ça réagit pour les tiers. Tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Et si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas vos tiers de sub, quoi. Enfin, si vous n'avez pas de badge de sub. C'est ça qu'il faudrait tester. Mais concrètement, là, ça fonctionne. On peut afficher, du coup, les badges de subscription. Donc pour moi, c'est une feature complète. Completed. Donc on va faire une petite nouvelle ici, new branch, que je vais appeler fit sub badge. Badges. Voilà. Et on va review ensemble. Hein. On va review ensemble. Hein. Mais concrètement, je pense que le code est plutôt clean. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté le hook qui va fetcher l'information. Ça, rien à redire, on l'ajoute. Deux, ici, on a modifié un peu le comment gérer les subscriptions. On l'affiche de cette manière-là maintenant. Ok, cool. Ça, c'est bon, c'est validé. Deux, ce qu'on a fait ici, plus bas, on a passé tout simplement le user secret plus loin. Ok, validé, c'est bon. Chat message, on a simplement passé plus loin le... Il m'a fait là, il m'a enlevé un espace. Ok, on a simplement passé plus loin le Schmilblick. Donc ça, c'est bon. Et dans le name, on a du coup ici. Alors là, il m'a tout rewrite en espace parce qu'avant c'était des tabs, c'est ça? Ouais, avant c'était des tabs. Ok, bon, c'est pas grave. Tac, donc là, on a récupéré les badges, tout simple. On les cherche ici et s'il est défini, on l'affiche. Moi, ça me paraît très très bien comme ça, j'ajoute. Et du coup là on peut tester, voilà, Guizmojule qui n'est pas sub, il n'a pas le badge de sub, donc ça marche très bien. Bien le bonsoir, salut d'ailleurs à toi et bienvenue sur le stream. Donc là on va faire fit, chat, display, subscription badges. Cool. Et on commit and push. Alors, qu'est-ce que c'est que ces warnings? C'est tous les any, hein, je pense. Voilà, les alt. Voilà, ok, on s'en fout pour le moment. On push ça dans notre nouvelle branche. Parfait. Côté back, pareil, hein, je vais tout simplement ici pusher cette chose-là. Tac, tac, tac. Fit. Chats. Update. Code to display. Qu'est-ce que j'ai modifié? Ok. To display subscription badges. On commit and push. Tac. Ça part direct en prod. Enfin, en staging. Ok, et c'est fait. Bah cool, on aura bien avancé. Le changement à TenStack query plutôt que React query, on le fera après coup, c'est pas important pour le moment. Je vais déjà merger cette paire de subscription, celle-là qu'on a fait. Voilà, ok. Bah bonne chose de faite. Moi, je vais faire ça dans mon coin.
Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. J'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai mis un peu plus de temps pour faire tout ce que je voulais faire, mais j'ai fait tout ce que je voulais faire et plus encore. J'ai rajouté 2-3 petits trucs en plus. Donc je suis plutôt content, plutôt bon stream. Désolé à ceux qui viennent de débarquer, c'est la fin de ce stream. On va les raid. On va les raid quelqu'un. Et la personne qu'on va les raid, ça sera certainement Willen. Donc je vais regarder qui est. Il y a beaucoup de gens en live actuellement. On va voir qui a le moins de viewers. Et on va aller raid cette personne. Donc nous avons en live Graphic Art, beaucoup de viewers, on s'en fout. iGot, beaucoup de viewers, on s'en fout. Silver, beaucoup de viewers, on s'en fout. Nous avons DevGirl et Willen qui sont en live. Donc on va aller arrête. Non mais c'est très important, Willen. À le faire rapidement. Et on va aller raid du coup Willen. Donc je vais lancer un petit coup de raid. Willen, merci en tout cas à tous d'avoir suivi ce stream. Je vous invite à saluer Willen de ma part et à lui dire à quand Adonis. Voilà, ça sera à quand Adonis, je vous l'écris dans le chat. Hein. À quand Adonis. Voilà, vous lui envoyez ça. Et des gros bisous de ma part, bien évidemment. C'était un plaisir d'avoir live ce soir. Prochain live, peut-être demain, à voir. Hein, à nouveau, je dois streamer normalement 2 fois par semaine maintenant. Et on va avancer à nouveau sur Strilly. On a plein de petits trucs à faire. Et c'est trop bien. Donc sur ce, moi je vous dis à tous, belle nuit à vous. Passez une très bonne soirée chez Willen. Et on se dit à plus tard dans la semaine. Ciao.